Et donc salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Dan524 et on est parti pour les épisodes 4 du Let's Play sur GTA V. Et comme vous pouvez voir, avec notre magnifique, voilà, notre magnifique Bravado Buffalo modifié. Donc on est parti donc pour cet épisode 4, donc on commence tout de suite avec cette magnifique prostituée, je sais pas trop. Ok, ça c'est une pute, on peut dire, ça le dire, hein. Attendez, j'ai juste faire un truc parce que je crois que je suis en PLS. Oh là, on n'a rien vu. Attendez, c'est juste être super science, je pense. Voilà. Voilà. Voilà, là c'est bien. Ok, donc on est parti. Donc dans l'épisode 3, on avait fait combien? On avait tuné la voiture de Franklin's, yeah, guys, Franklin's. On avait tuné donc la voiture de Franklin's. Et donc là, on est parti. Donc pour l'épisode 4. Donc je sais pas ce qu'on va faire dans cet épisode 4. Je crois qu'on va y récupérer soit une dépannage, je sais pas quoi. Je suis pas sûr d'avoir un poste de police. Ouais, tu n'es pas là, c'est moi ce que je pensais. Donc vous pouvez voir qu'on a quand même bien tuné notre casse avec les néons et tout ça. Alors aussi, qu'est-ce que j'ai un truc à vous dire aussi. Ah oui, je sais pas si vous l'avez vu la voir, j'ai fait ma nouvelle intro. Voilà, j'ai fait ma nouvelle intro sur... Bah sur ma snap. Allez, grouille ton cul là, putain. J'ai fait ma nouvelle intro, donc j'espère qu'elle vous plaît. Bon, certes, c'est un début, mais pour un début, je pense que c'est déjà pas mal. Ah. Voilà. Voilà. Je pense que c'est mieux que ça, parce qu'avant, voilà, la cinématique de merde qu'on avait avant, c'était, voilà. Donc là, je pense que c'est un peu mieux. C'est déjà mieux, je pense. Bon, c'est un début, les gars. Faut pas commencer à faire les cons, mais voilà, c'est juste un début, on va dire. Après, on peut se dire ce qu'on pense. Bien sûr, ça va pas avoir une... Okay. Ça va pas avoir une autre qualité comme vous tentez d'avoir, c'est pas dans votre cas ou c'est pas tout dans un genre. Ça, c'est cool. Alors, désolé si la nuit c'est horriblement dégueulasse. Je suis au courant. Je suis au courant et d'ailleurs, je crois que je vais baisser parce que c'est putain de fort. Voilà. Pas trop, voilà. Je pense que c'est juste dégueulasse la nuit en fait, parce qu'en fait il fait nuit, c'est dégueulasse. Il est quelle heure? Il est 23h02. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on n'est plus en vue FPS. Alors en fait, j'ai choisi un truc qui pourrait être pas mal. Attendez. En épisode en fait, on sera en vue FPS. Et un autre épisode en fait, on sera en vue 3ème personne. Donc c'est tout. Donc l'épisode 3ème personne, vous en doutez, c'est celui-là. Demain, il y aura la vue FPS. Et on fera ça. Je pense que c'est un peu mieux d'alterner les vues en fait, si vous voulez. Les vues, ça serait un peu mieux. Génial, super les gars. Ce qui vient de se passer, c'était super. Désolé. Attendez, faut juste que ce calibre. C'est pas facile. Bon, si ça tombe, je suis désolé. Hein. Bien sûr, je vais essayer de le remettre, mais c'est pas nécessairement nécessaire. Elle est complètement explosée. Ouais, wow, je vois plus rien, mon poudre. Ok. Wouh, casse-toi, toi. Donc après, vu que, bon, ça, je vais pas en parler tout de suite, parce que là, voilà, tu as détassé, qui okay, bon, bah les couilles, frère, on va pas en parler tout de suite, mais quand on aura, non, je vais pas en parler tout de suite, parce que ça pourrait faire polémique, niveau jeu. Donc aujourd'hui, on va faire 3 missions, parce que hier, je sais pas si vous vous en souvenez, on avait fait que une mission, puis on avait tuné la voiture de Franklin. Là, j'ai prévu un épisode un peu plus long, donc peut-être 40-45 minutes. Maximum, et notre voiture toujours les voitures de Franklin, un grand maximum. Je pense que ça pourrait mieux pour redémarrer. Et voilà. Ok, moi je me casse maintenant, je laisse la caméra allumée et on va se casser. Donc on est toujours avec notre Franklin personnalisable, évidemment, avec la voilà. Avec oh, on a eu l'heure. Bon, c'était pas très difficile. Au pire, il y a le train qui passe. Ok, donc maintenant on peut continuer les missions. Donc on a fait une mission avec Franklin, j'ai envie de faire une mission. Attendez, il est quelle heure?
Il est minuit, ok. J'ai envie de faire une petite mission avec Michael. Alors, hop, il y a un personnage en ligne, mais vous le verrez pas. Ah oui, pour ceux aussi qui pourraient me demander, c'est quoi mon DPSN? Ça, c'est que je n'accepte aucune demande. Ça, c'est le Michael qui est défoncé ou qui est je sais pas quoi. De la colle sur mes doigts. Bref. Donc voilà. Donc, aussi, on ira personnaliser un petit peu la voiture de Michael. Mais pas pour maintenant, parce que je sais que dans le jeu, en fait, elle va se personnaliser toute seule. Et donc, voilà. Voilà, on va voir. Bonsoir. Donc, on est parti. Deuxième mission. Enfin, première. Enfin, voilà. Bref. Je reste avec la cinématique. On se rejoint tout de suite. Amen. Tracy. Yo. Parti, on va sauver ce connard. Alors, la cinématique, alors vous savez ce qui allait se passer. Hein. Mais finalement, hein, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est pas ce qui va se passer? Voilà. Alors, je sais ce qui va se passer. Enfin, je sais ce qui allait se passer. Mais je vous ai laissé la surprise pour ceux peut-être qui l'ont jamais fait. Hein. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait aucune personne qui l'ait fait les yeux. Donc, on est parti. Putain. T'es conduit comme des gros connards, non, parce que attends, putain. Et on a juste une super Mercedes BM, non, je crois que c'est une BM A4. Et pourquoi on est obligé de prendre un putain de van de merde? Et c'est quoi ça? Casse-toi, toi, putain. Putain. On est obligé de prendre un vieux fourgon de merde. Alors, désolé pour la mauvaise qualité, je vous l'ai dit, c'est pas dû. Enfin, c'est dû. Pas à la nuit, mais c'est juste à mon enregistrement. Mais c'est mieux sans en coupant les phares en fait. Mais normalement, vous inquiétez pas, dans 3 mois ça devrait beaucoup mieux y aller. Oh merde, putain! Ça devrait être beaucoup mieux. Vous aurez de l'ASD, de la 1080p. Pour l'instant, je crois que vous avez de la 480p. Et il y a sa voiture. Une belle vue sur la ville là. En nuit là. Ok. Bonsoir. Allez, on va défoncer ta petite baraque de riche là. En mode bas les couilles. Allez, hop.
Allez hop, défonçons sa baraque. Ah, plus la terrasse là, je m'en bats les couilles frère. Je crois que j'ai peur de quelque chose moi. On m'appelle le Trevor dans le milieu. Allez, fond de 3, allez. Allez, allez, il fond de 3, allez. Allez. Allez, fond de 3, allez. Allez. Voilà. Bon, mais il est mort. Ah, vache. Bon, bon, moins. Moyen radical. Autant faire les sauces propres. YOLO. Oh là, oula, oula, oula. Doucement, fais pas le con. Santa, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a form! You! You're a dead one! Green light! Green light! Le tailleur, là. Moi, je vais te montrer ce que c'est le respect. Oh, I'm scared, lady. C'est moi? Oui, il y a des points roses, là. Ah! On me tire dessus! Ah putain, oh le fils de... Allez pédé, allez bâtard, ils ont voulu attiser ma colère. Voilà. Mec, merci pour le coup de main, voilà, on a tué 2-3 personnes, c'était pas mal. Oh oh. Ah, mozzarella. Ah, salut mozzarella. Santa here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of the background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who is wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart dad. Now, Michael, I've got a question for you. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Bidewood Hills? I thought the owner was paying my wife. Well, then it was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Well, Natalia will need a hotel, but you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. That's nice. Come on, man. Hey, you all right? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? Bon bah. Bon mais c'est parti hein. C'est parti les enfants. On a défoncé tout le monde. Hello. Ah il fait jour. Il fait jour enfin putain. Who's asking? Who's asking? Who's asking?
You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. On disait, il fait pas beau. On habite à Los Angeles, il fait pas beau. Produit sosien. Donc on est parti. Bon, on a fait une mission de Michael. Autant non. On a fait une mission de Michael. Autant faire la mission de Franklin, on va dire. On switcher. Hop. Où est-ce qu'il est, Franklin? Il est à l'autre bout de la planète. Ah non, il est là. Oh non. Voilà. Alors, désolé, mais c'est les droits d'auteur, les gars. Ah putain, si tu peux le dire, hein, je te les fourrais dans le cul. Pas... Oh, rrr, oh, un petit adhère des familles. Non, je vais pas la prendre. C'est une voiture désarrestée, donc au pire. Donc, alors Franklin, tu sais te servir d'un flingue? Non, tu crois, j'ai juste tué 2-3 personnes. Oh putain. Divers événements se déroulent dans tout San Andreas. Ah bah t'es... On peut braquer ce fourgon, mais on va éviter. On n'est pas encore super bon en niveau stuff. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait aller faire un tour. C'est amination. Amination. Oh, on ira plus tard. On va aller juste mettre un point là. Voilà. C'est parti. Après, dites-moi si vous voulez une série sur les braquages. Sur online. Ça vous dit de faire une série sur les braquages. C'est-à-dire, je sais qu'ils sont sortis il y a un petit bout de temps, même un gros bout de temps. Ça va pratiquement faire 6 mois, je crois, entre 11h, 6, 5 mois. Ils sont sortis, donc plus, non, même plus, je crois que ça va faire plus. Donc dites-moi si vous voulez faire ça avec des amis, c'est déjà un crew, donc autant en profiter, on veut dire. Évidemment, sur PS4, et non, sur PS3, parce que sur PS3, j'ai une qualité de merde, ça va être encore plus dégueulasse que sur PS4 déjà. Ok, les clubs de striptease sont déjà... Oui, bon, j'ai déjà fait ça, c'est bon. Hein. Tu peux me casser les couilles dans le sens, c'est déjà assez franc là, c'est là. Bonjour. Oh, on a gagné... Oh, il y a sa petite... Oh, il y a une moto, là. La peinture Jolius. Hey, Jolzo. Hey, Jolzo, mani. Bon, eux sont alcoolisés, apparemment. Bonjour, je m'appelle Franklin et famille. Les petits chiens, c'est sop ça. Lui sniff de la drogue. Hey, toi là, hey, tu me donnes de la coque s'il te plaît. Allez, tu fais partie des badass. Donne, prends t'as une bonne bagnole que je vais défoncer d'ici 2-3 minutes. Alors, hein. Allez, go, c'est bon, on y va là. Il y a du cannabis sûrement là. Pas où est-ce qu'on va, mais on y va. T'es le mec, il a quoi? Il a une espèce d'empora ou c'est pas quoi dans son garage. Hein, on va où? Ah, peut-être ça. Bon, allez hop, on va monter. Ah non, fais pas chier. Tu fais pas chier là, au bout d'un moment, voilà. Bon, allez, grouille ton cul de monter là, putain, la barre le calamar. La mort pédophile surtout.
Elle va aller à Vinewood Boulevard. Comme on dit dans le milieu, Vinewood Boulevard. Bon, on y va, hein. on y va. T'en auras pas pu prendre une voiture de sport, c'est pas un 4x4, ou un Cayman Tacos, sinon. Qu'un vieux van tout pourri là. La plaque d'immatriculation, elle m'a jamais fait gaffe ça, la marque Z. Le mec a carrément pimpé sa plaque. Lamar Z, putain. Bon. Niveau nom, on n'a pas fait mieux, putain, je pense. Parce qu'au niveau nom, par contre, il y a déjà la circulation là, je me demande ce qui se passe, putain. Ah, mais c'est parce qu'on est sur Next Gen, c'est ça. Ouais. Alors, il y a une vidéo qui va arriver ce week-end, donc, ce week-end, sur God of War, donc Ascension. Oui, la vidéo découverte, parce que en fait, si vous voulez, je l'ai téléchargé que très récemment, God of War Ascension. On sait qu'il est sorti depuis un bail, ça fait plus de 4 ans, je crois qu'il est sorti. Et du coup, j'étais sorti très récemment, donc je vais refaire une vidéo test dessus, voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Mais ta gueule, toi, là. Oh putain, oh là, il y a une Ford Mustang. Ah oui, alors, j'ai décidé, là, donc les vidéos sur The Crew, donc le roi trip, comme dans le milieu, je l'ai prévu, donc, après le DLC, Wheel of Run, The Wheel Run, en transor. Enfin, le nouveau DLC qui va sortir sur The Crew, avec les Monster Truck, le Drift, tout ça. Après ça, j'ai prévu. Donc, il sort le mois de novembre, donc après le mois de novembre. Et évidemment, je vous ferai des vidéos sur GTA 5 quand il y aura de la net. Enfin, je sais pas s'il va en avoir cette année. J'espère qu'il y en aura. Ça pourrait être pas mal qu'ils nous remettent ça. C'est qu'il l'avait mis l'année dernière. Ah là là. Allez, parti! On va choper ce mec! Oh, putain, on va faire une course poursuite contre moto dans un van de merde, quoi! Ah ouais, non, mais les gars, niveau poursuite, là, on a pas fait mieux, quoi! On a pas fermé la porte, quoi! Putain, bah, c'est super ça! Une course poursuite à Vinewood Hills! Pour ceux qui reconnaissent, hein, évidemment! Ouais, toujours devant, ouais, lui, là. Est-ce qu'on peut le renverser? Allez, on peut l'avoir, là! Disons, le mec qui se tape une de ses accélérations. Non! Oh la vache! Il se tape une de ses accélérations, c'est abusé! Évidemment. Ok, non. Ok. What the fuck again? Donc on y va. Oh, c'est zone ici. C'est fou. Les mecs, t'as bien les pneus en train de crisser, tu sais. Putain, ok. Ok, bon, toi t'es con, toi. Ça se voit, putain, la vache. Wow, oh la vache. Bon, mais le mec s'est fait sauter, hein. Allez, hop. Ah ouais, non, mais là. Allez, va sortir, chope. Va sortir, chope, parce qu'on est. Allez, allez. Allez, gros connard! Allez, saute pour moi ce fils de pute. Putain, le mec va se faire écraser par un bus, mais ça va être marrant à voir. Ok, pff, je voulais glisser sur la voiture, mais que lui. C'est fils de pute, cassez-vous. Allez, cours. Il court pas, le mec, sérieux. Allez, cours. Non. Non, je reste là. Allez. Super.
Super, super, super. Suivez Sup. On prend le contrôle du sien, ok. Oh ouais, la vue qui est complètement à l'aveugle. Faut ouvrir les portes des conteneurs, ok. Ouais, le meilleur métier du monde, ouvrir les portes des conteneurs. Bon, vas-y, détecte-moi un truc là, que je puisse faire mon bas. C'est juste dégueulasse pour faire. Alors, t'as pas détecté un truc? Allez là! Ah, t'as détecté un truc? Qu'est-ce que tu vas faire? What? Ok, non, là c'est pas possible. Là, mais c'est pas possible. Non. Putain, tu crois pas quoi. Le CN dissident, c'est quoi là? Là, il n'y a plus aucun respect. C'est ça qui est complètement dissident, il va niquer une action. En plus, apparemment, mal. Ok. Hop. Hop, ouvre-moi cette porte. Ah bah apparemment ça va être là. Ah bah oui. Allez, s'il te plaît. Attrape-le. Ah, s'il te plaît. Oh là, c'est bien cousin. Et le mec il passait d'un chaise à l'autre quoi, fou comme ça. Ah non, ça va être pas possible là, pour une simple raison, les droits d'auteur. Et moi, ça fait deux. Bon, on a réussi, on va se casser d'ici. Oh putain. Ouais, drift. Alors, je lance un défi. Allez, voilà, je lance un défi, vous m'envoyez donc un message privé peut-être sur YouTube. Bon, dans les commentaires, si vous arrivez à faire un drift, attention, un drift avec un camion comme ça, le même, pas un autre fourgon, un drift, pas comme un drift qu'on faisait avec par exemple une Ford Mustang, de Dominator en gros, dans ça. Je vous donne un défi à faire, c'est de le faire, vous m'envoyez une vidéo, vous le tournez une vidéo, vous me l'envoyez, et le mec qui arrive à faire ça, je vais essayer de lui faire gagner un truc, je vais lui dire rien, je vais essayer de lui faire gagner un truc. Attends, ici. On bat les couilles. T'as pas de couilles. T'as pas de couilles. Je vais le tuer, mec. M'en bats les couilles, frère. Vous êtes prêts? Oh! Allez, fais pas chier, salope. C'était obligé de la faire, celle-là. Oh putain, ça. Oh la vache, l'Ocel a eu la sens de sa vie, putain. L'Ocel a eu la sens de sa vie. Bon, on va terminer cette mission, parce que ça fait la troisième, et on se pense qu'on s'arrêtera ici, tout simplement, pour cet épisode. Allez hop, on replaque, ça replaque, droite, gauche. Bonjour. Voilà, cassez-vous, merci. T'as ce qu'on va voir dans la vidéo, le mec qui a explosé. Oh
Ah. Ah non, il est pas là. Ok, bon, bah. Alors, non, là, ok, il est complètement parti. Bon, on peut se casser, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ouais, bon, on a eu la mission. On a eu l'argent. Ok, bon, bah, cool. Super réflexe. Pote, ouais, sans une égratignure. Ouais. Le tramway qui est là-bas. Ouais, ok, cool. Pas mal, pas mal. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. On va aller. Il est quelle heure? Ouais, il est 17h. Il est 17h, on va aller. C'est Franklin. Voir un truc. Faire peut-être un truc aussi, c'est pas ce qu'il y a fait. C'est pas ce qu'il y a là, parce que c'est pas trop visiter la maison de Franklin en fait. Enfin, ouais, c'est pas trop visiter la maison de Franklin. C'est juste une S5S qui est tellement stylée maintenant. Ça va être en mode pimp. Voyons voir ce qui se passe. Ah, ah ouais! Ok, ça tente, t'es fan des Illuminati là. Ah, franchement là. Ouais. T'as la vieille télé de merde, t'es cathodique et tout, mec. C'est de faire une vidéo avec ça, quoi. T'as quoi, salope? Boire une bière, allez, on va se boire une bière. Peace weather, mec. Eh ouais. Et ben, on va se laisser là, ça fait quand même 31 minutes de vidéo, donc je pense qu'on va se laisser là, les gars. On se retrouve ben, pour l'épisode numéro 5. Ouais, numéro 5. Numéro 5, ok. Vous allez dans la scène de Franklin, mais je me suis complètement paumé. Pour l'épisode 5, à mon avis, qui va être pas mal. Qui va être pas mal, regardez un truc. Qui va être pas mal, je vous dis peace tout le monde et ciao.